Les hommes qui ont peuplé l'Amérique en premier n'étaient pas les mongoloïdes. C'est maintenant déterminé. Ils ne sont pas arrivés avant 7000 ans avant notre ère. Donc, il y eut une confrontation avec les autochtones. C'est-à-dire que une bonne partie des Amérindiens qui ont un type mongoloïde sont en fait des descendants des envahisseurs venus de Sibérie, qu'on peut apparenter aux Esquimaux, aux Inuits, qui sont d'ailleurs pas de la même vague de migration. Les combats entre les autochtones aborigènes et les mongoloïdes envahisseurs n'a pu avoir lieu qu'à partir de 7000 ans, sachant que tous les crânes au-delà de 7000 ans sont non mongoloïdes. Quand on retrouve des crânes de 9000 ans, on ne voit aucune caractéristique mongoloïde. Nous pouvons en conclure que les autochtones d'Amérique étaient des australoïdes et ressemblaient aux Africains. C'est par la suite que les mongoloïdes, par le détroit de Bering et ensuite au XIIIe siècle avec des invasions mongoles, sont venus par la voie maritime sur la côte ouest du continent américain.
Thank you.